Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, fidèles au rendez-vous pour cette partie de jeu de rôle en terre profane. Et comme d'habitude, on va faire un tour des joueuses et des joueurs que j'ai la chance d'avoir à mes côtés. Et pour casser totalement les habitudes et faire retourner la terre sur sa tête, si ça a un sens, on va commencer par Jérôme, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est fou! C'est fou! Bon, ben, du coup, il va falloir que je trouve des trucs à dire. Alors, Attends. Jérôme de la maison d'édition Lapin Marteau, allez jeter un œil à Lapin Marteau, leur site. J'ai vu qu'ils avaient des... J'aime pas le terme petit, adjectif petit qu'on utilise à toutes les sauces, mais j'ai vu que vous aviez des petits jeux, des jeux pas petits, mais des jeux intéressants qui me... Je me demandais si j'allais pas acheter les PDF, tout ça. Il y en a plusieurs avec un truc qui se passe dans l'Antiquité et tout. J'ai plus de influenceurs, ils veulent encore se faire offrir des trucs, quoi. Je te non, pas du tout. Justement, je voulais pas t'en parler avant. Mais vous avez quoi en stock là, par exemple? Tu peux faire le petit catalogue ou pas? En PDF, en petit truc, on a surtout des jeux en fait qui viennent d'une autre maison d'édition. Toulousaine, parce que ça s'invente pas, qui s'appelait La Boîte à eux. Et ça va être des jeux pour, par exemple, retrouver une amie disparue en faisant avec des collages, avec des illustrations remises ensemble. On va avoir un jeu où on joue des super-héros et on se dessine soi-même, en fait. On se joue soi-même, et etc. Merci, Maxou31. voilà, vous m'entendez bien, parce que si vous m'obligez à me faire de la pub pour mes trucs, je vais mourir au bout d'un moment, je vous assure. Ah là là, le commercial dans l'âme. Il veut pas réussir, la peur de gagner, quoi. C'est le pognon, moi je suis allergique au pognon, vraiment, c'est un truc, je déteste ça. D'ailleurs, tous les gens qui détestent ou détestent mon personnage sur le chat, allez donner du pognon, c'est vraiment le meilleur moyen de me nuire. Donc le son a l'air très très bon, bah, c'est cool, bah, allez jeter un oeil, moi j'étais en... voilà, mon attention a été un petit peu... Après j'ai des tas de trucs que j'ai pas lus encore, donc je me dis est-ce que c'est bien raisonnable, mais peut-être que j'irai jeter un oeil quand même. Et donc on va... Alors évidemment là on commence par les hommes, c'est pour ça que d'habitude je commence par le haut entre guillemets, hein, mais là on commence par le bas du panier, on commence par les mecs... Par la fange. Et tu et donc, dis ça parce que tu passes après moi, c'est ça? Je suis juste un peu moins sale que toi. Super. Ça dépend à quelle heure. Donc, Lucien de la Bonne Auberge, que vous retrouvez de dimanche qui arrive, là. Je n'ai pas de bêtises. Oui, tout à fait. Tout à fait, dimanche qui vient. Le 21. Et je te dis, dis-nous quelques mots de plus, peut-être. Mais oui, bonsoir à toutes et à tous. Okay. Effectivement, nous serons en live ce dimanche, 19h. La précédente session, c'était un one-shot avec tout plein d'invités de très grande qualité. Et là, on reprend les aventures de la campagne principale, la compagnie du Baluchon, qui va s'approcher bon an mal an de la fin de saison, hein, puisqu'on termine en juillet. Et on a beau jouer tous les 15 jours, ça fait pas tant de sessions que ça. Mais c'est cool, ça avance bien. Mm-hmm. Ce one shot était très sympa. Bah ouais. Ouais. Donc pour le son, vous me dites, hein, j'ai augmenté un peu le son de Jérôme, puisque chez moi, une personne de confiance me dit qu'il était le son de Jérôme était plus bas que le mien, de celui de Lucien. Et puis bah vas-y, hein, vas-y, presséa. Bah. Vends-nous du rêve. Oui, alors bah, vendre moi, du rêve. C'est là par hasard. C'est ça, je suis là un peu partout, par hasard, je me traîne un petit peu les pieds partout. Non, en tout cas, moi en ce moment, si je dois parler d'actualité, je suis juste tombée dans Warhammer et je pense qu'à ça, je rêve qu'à ça, je mange que ça. Bref, voilà, figurines, jeux, c'est intense en ce moment. Voilà, voilà, et oui, Skaven, c'est la meilleure faction du monde. Voilà, ça va, j'ai fait ma pub. Kevin, il faut avoir envie de peindre beaucoup, 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 beaucoup de figurines, hein, quand même, je te préviens. Justement, hein. J'adore. On a pour se sacrifier. Puis on a beaucoup déjà de base. Investir dans un aérographe est une bonne idée. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Je vais d'abord apprendre à manier le pinceau. En plus, on peut faire plein de jeux de mots avec les Skaven, c'est sympa. Et oui, je n'ai plus la Covid, non, plus du tout.
J'ai retrouvé l'odorat et le goût. Ça, c'est bien. Tant mieux, tant mieux. Et bon, pour le son, il n'y a pas de retour. Je pense que ça doit aller. Et bien, donc, Petulia, bien sûr. Et moi, je ne suis pas tombée dans Warhammer et je ne fais toujours pas de peinture de figurines parce que connaissant mon caractère, au bout de deux coups de pinceau, je la balancerai par terre en me disant « Non, je n'y arrive pas, de toute façon !» Je ne suis pas patiente, ni minutieuse. Ouais. Et nous, on a terminé notre collecte Ulule pour la réédition du jeu de plateau Reflet d'Acide, mais en fait, ce n'est pas vraiment terminé parce qu'il avait cliqué sur prolongation sans s'en rendre compte. Oh. Et du coup, après, à notre surprise, ça a continué. Ah Donc, je crois qu'on avait atteint 212% et maintenant on est à 323. Ah, ah ouais. Ah oui, non, mais ça va. Oh, je dis peut-être des bêtises, je ne me souviens plus à quoi on était. Mais bref, ça continue de monter. Hein. Oups, on n'a pas fait exprès de prendre 100%. Et les messages disent « Ah, mais j'avais pas vu, on était en retard, zut, je pensais que c'était jusqu'à telle date. » Enfin bref, donc en fait, en gros, quand vous mettez une date, rajoutez une semaine de plus, hein, c'est comme les gens qui se pointent avec une heure de retard, ça fait pareil. Incroyable. Moi, j'ai l'impression que ton son est un peu fort par rapport aux autres, mais je sais pas ce qu'en pensent les gens du chat, je vais un peu le c'est baisser de mon côté. Moi qui parle trop fort, tu sais, parce que c'était l'idée de peindre des milliers de figurines. C'était enthousiaste, non, mais c'est bien, mais il faut que je... Après, 323%, nous aussi, on parlerait fort. Hein. Oui. un peu fort, un peu il me semblait pour aussi. Moi perso. Non, mais de toute façon, comme je... Voilà. J'ai un peu diminué de mon côté, donc voilà. Quand on parle de retard, ça me fait penser à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va se faire ban. Alors, c'est comment, déjà? On dit pas des méchancetés sur Pressea. Bon... J'ai pas compris la référence, je ne veux pas savoir. A priori, il y a des gens qui sous-entendraient que Pressé arrive en retard. Ah, sur ses streams, mais oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est Twitch, c'est la base, non ? C'est la base. C'est justement parce que vous arrivez en retard sur les streams qu'elle est obligée d'arriver en retard pour être sûre que vous soyez là. Voilà. Oui, c'est ça. Mais voilà. Oui, oui. C'est marrant, on dirait presque que t'es mal à l'aise. Il y avait quand même un de tes sub-goals qui disait « Je crois qu'il fallait arriver à l'heure. » Ouais, pendant un mois, ouais. Le pire mois de ma vie. D'ailleurs, c'est dommage, t'as pas atteint celui où tu créais ton jeu de rôle, je suis déçue. C'est vrai, j'ai coupé les streams juste avant. Il y a eu les insectes, non ? Ou les araignées, je sais plus. Bah, ça, par contre, je l'ai moins. Ouais, ça a été fait, ça. Ça, c'est terrible. Ça a été fait, hein, mais je l'ai pas vu, je l'ai loupé. Ah non, tu peux pas le refaire, là, maintenant ? Non, plus jamais. Ah, c'était pas bon. Ah non, 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 non. Et les gens qui disent que c'est quoi, ça va, c'est des menteurs. Vraiment, vraiment, c'est des bons gros menteurs. C'est pas bon, ça pue. Ah, c'est là que t'aurais souhaité avoir les effets Covid, en fait. Ah oui, 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 oui. Peut-être que je l'ai eu, là. Ah. Eh bien. J'espère que ce soir, on va pas manger d'araignée non plus. Je sais pas qui va manger qui, mais alors, pour rappel, lors de la précédente partie... Nos aventuriers s'étaient engouffrés dans les profondeurs sous les marécages. Ils avaient accédé à un lieu qui avait déjà été rouvert par Finrom, la chamane ennemie. Et c'était ce qui restait apparemment, en tout cas quelques salles d'une pyramide enfouie et fermée, close depuis des millénaires. On peut supposer qu'à une époque lointaine, certains Unak en avaient combattu d'autres et avaient jugé que ceux qui menaient encore un culte dans cette pyramide enfouie n'étaient pas des gens très recommandables puisqu'ils avaient posé d'énormes pierres sur leur dos, sur le dos de leur corps, de leur cadavre, ou encore enfoncé d'autres pierres plus petites dans leur bouche, tout ça dans le but d'éviter qu'ils ne reviennent les hanter au-delà de la mort. Et surtout, outre quelques découvertes sur les peintures pariétales, quelques informations précieuses que Hild avait obtenues en ayant le courage de boire à l'eau très claire d'une source souterraine, qui lui avait fait prendre conscience de la présence d'une titanide dans ces lieux, une titanide qui avait souffert d'un phénomène très ancien qui a été évoqué maintenant à de multiples reprises auxquelles vous êtes habitués, au moins en tant que vocabulaire, que terme, que notion, ce qui est la brisure, cet événement magique, catastrophe magique majeure qui est intervenue il y a des milliers d'années. Et cette brisure avait modifié en partie ce qu'était cette titanide, apparemment, et
pour résumer, ils avaient compris que finalement, Finrome, la chamane, n'était plus tellement aux commandes que lorsqu'elle psalmodiait pour se faire relever les morts, hein, contre lesquels ils avaient commencé à se battre dans ces salles souterraines, eh bien, c'était peut-être cette Titanide depuis un plan parallèle, un monde parallèle au monde physique qui exprimait son désarroi, sa rage contre cette brisure dont elle attribuait la responsabilité aux humains, mais ça remonte à bien longtemps. Et quoi qu'il en soit, Kael et puis Modwen s'étaient retrouvés dans ce monde parallèle, avaient réussi à convaincre, si on peut dire, si on peut le dire ainsi, cette Titanide de renoncer ou du moins reporter ses projets. Et c'était notamment lorsque Kael avait saisi dans sa main de lumière celle qui lui manque dans le monde physique, sa main gauche qui avait été tranchée durant la première saison, et qui avait été guérie d'une certaine façon grâce à Afina et grâce à des pouvoirs de Faen, justement. Lorsqu'il a pris dans sa main des pierres précieuses, ternies par le temps, par l'effet de la brisure peut-être, par les modifications subies par cette Titanide, il les avait prises et leur avait rendu un peu leur éclat, et cela plus les promesses d'aide qu'il avait données à cette Titanide avaient semblé aboutir à une sorte de solution, puisque aussi bien Kael que Modwen, qui avait aussi guidé Kael dans ses choix, les deux se sont retrouvés enfin dans leur corps, sont revenus pour Kael auprès des autres, et Modwen avait retrouvé son corps puisqu'elle avait projeté son esprit. Et voilà, on en était là, le calme était un peu revenu au sein de cette nécropole, on peut l'appeler ainsi. Sachant qu'on est à peu près l'équivalent pour Tamazir et Hild, et Uradu aussi, qui ne sont pas passés dans ce monde des esprits, on va l'appeler ainsi. Vous avez gardé un peu la notion du temps, vous vous dites qu'il doit être aux alentours de l'équivalent de 11 heures, et que normalement, l'ultimatum qui pèse encore sur le convoi du fait des Unas qui exigent que certains prisonniers leur soient remis, cet ultimatum devait prendre fin à midi, donc dans une heure. Donc à vous de voir ce que vous comptez faire. Les créatures mort-vivantes, là, Elles ont complètement arrêté de bouger, effectivement. D'accord. Là, je vous remets un petit peu dans l'ambiance visuelle de cette nécropole, outre l'arène où s'est déroulé les derniers événements. Avant toute chose... Je veux vérifier que Finrone est bien toujours assommée. Il faudra toujours, toujours s'assurer qu'elle reste inconsciente. Et je le dis aux autres, il faudra toujours, toujours s'assurer qu'elle reste vivante mais inconsciente. Je me tourne vers Uradu. Voilà une excellente mission pour toi. Attention Uradu, elle peut prendre possession des gens. Il faut vraiment qu'elle reste inconsciente. Il ne faut pas juste qu'elle fasse semblant, il faut bien s'en assurer. Je suppose que je garderai une main sur ma jambe blessée et l'autre sur ses liens. Je vois qu'elle est bien baillonnée et revérifiée. Ça va, c'est un accident. Un accident. Peut-être, mais je ne pourrais pas cavaler avec vous si vous voulez aller jusqu'à je ne sais quelle mare au Fen. C'est impossible pour moi. Non, mais t'inquiète pas. Enfin, avec tout ce qu'il y a dans cette nécropole, on va d'abord... observer tout ça, enfin c'est un tel témoignage de ce qui s'est passé à l'époque, ce serait vraiment dommage de... Et on va surtout rentrer très vite au camp, on a un ultimatum à arrêter. C'est vrai que j'aimerais bien visiter comme toi, Kael, mais il y en a moins d'une heure, on n'aura pas vraiment le temps. Après. Hein, mais c'est bon, allez-y, je vais veiller sur Uradu. Alors Uradu vient avec nous déjà, parce qu'il sera mieux soigné au camp, et ensuite je ne suis pas convaincue que ton frère apprécie qu'on revienne sans toi. J'aimerais autant pas rester dans cet endroit maudit, par ailleurs. Bon, voilà. Ok, je vous suis. C'est toujours pareil, de toute façon. Non, mais il te manquait une raison de ronchonner, donc maintenant tu l'as. On vous a pas raconté la Titanide, non? La quoi? Voilà. On l'a pas raconté, Kael. Tu leur racontes? C'est toi qui a fait cette découverte et qui a réussi à nous sortir de là, après tout. C'est ton intuition, hein, qui nous a
Quand Monoane me demande de raconter, je commence à avoir un sourire un peu béat et me perdre dans mes pensées. Je sais pas par où commencer, c'est un peu... Bah déjà nous dire ce que c'est qu'une titanide. C'est une espèce de divinité, de créature qui vivait là il y a des temps très très longtemps. On commence à prendre le chemin du camp en même temps, hein. C'était génial. Enfin, c'est, vous savez, c'est la personne que Kild a vue dans son, je sais pas trop comment appeler ça, dans sa vision, oui, dans sa vision quand elle a bu à la flaque. Et c'est vraiment trop bien parce qu'ici on est dans un endroit où il y a un culte de ces créatures-là. Ça date d'avant la brisure, ça date d'avant même nos rêves. Enfin, désolé, Radou, je sais que toi tu rêves pas, mais enfin, c'était vraiment. Magnifique, et puis vous savez, enfin tout le monde n'a pas la chance de voir ça. Je me demande si on ne devrait pas reprendre un petit peu de la flotte ou la mettre dans une gourde, en fait. Peut-être que ça vaudrait le coup, non? Eh bien, de toute façon, on va passer par là forcément pour revenir, donc pourquoi pas prendre une fiole, on ne sait jamais, ça peut... Je ne sais pas pour quelle utilité, mais tu trouveras toujours peut-être quelque chose, Kael. Ah ben, j'en suis persuadé, et puis... je me demande si on n'avait pas vu des vieux bouquins aussi en passant tout à l'heure. Alors, il n'y a aucun livre, puisque les Wunak n'ont pas l'écriture. Et c'était vraiment des récits picturaux sur leur culte, sur les, oui, certains rites qui étaient menés ici, les grands, comment dire, les grandes thématiques, même si ce n'est pas le meilleur terme, qui étaient, auxquelles cette titanide était reliée, les domaines sur lesquels elle régnait, voilà plutôt le terme que je recherchais. Et donc là, cette titanide hein, qui avait été modifiée, hein, je le rappelle, avait un lien avec tout ce qui est caverne primordiale, des pierres précieuses aussi, la notion de passage initiatique, de mort et résurrection... Enfin, l'écoutez pas, il connaît rien sur l'AMJ, je suis persuadé qu'il y avait des vieux bouquins. Si vous voulez. Il y avait aussi cette source d'eau souterraine, profonde, sans doute très claire, à laquelle Hilde avait bu, était juste à côté, était un peu éclairée par quelques pierres encastrées dans la paroi de la grotte. Oui, donc vous récupérez un peu de cette eau. Pardon. Les pierres, elles étaient bioluminescentes, c'est ça hein? Oui. Ah ouais. Moi, si jamais j'ai une fiole ou qu'elle, oui, en effet, moi, je veux bien récupérer un petit peu de cette eau. Hein, sur le... Très bien. Bon, on va la faire simple. Je vous embête avec ces histoires de titanide jusqu'à ce qu'on soit rentré au camp et peut-être même après. On va pas le jouer parce que je vais me saouler tout seul, mais si effectivement il y a des trucs à prendre, je les prends, même si c'est des trucs qui servent totalement rien, peu importe en fait. Ah, il y a des vieilles poteries, des choses comme ça, c'est sûr. Tu peux, ouais, tu essaies de discerner quelque chose rapidement en passant qui pourrait être intéressante. Très bien. Moi, plus il attrape des choses, plus je soupire et quand il commence à être vraiment chargé, j'ai c'est encore nous qui allons finir par porter toutes tes breloques là. Et ça te fait plaisir. Je te rends un sac, je te le file. Parce que tu sais que ça va finir comme ça, autant commencer comme ça. Alors que vous approchez de l'excavation d'entrée et donc de sortie, là par où vous étiez arrivé. Là d'ailleurs, on revoit l'endroit où il y a l'eau et les pierres bioluminescentes. Vous entendez clairement quelques bruits de discussion en Wunak. Toi, Modwen, tu entends des gens qui sont en train de se dire « Toi, bah vas-y, toi, descends. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Je suis pas convaincu, ça va nous porter le mauvais œil. Oui, mais c'est ici que la piste mène, il faut bien qu'on aille voir. » Zut, où sont les squelettes qui marchent quand on a besoin d'eux? J'en aurais bien envoyé un ou deux, ça les aurait fait fuir. On entend tous. Elle est bien inconsciente, Finrod. Finrod est inconsciente. Vous avez tous entendu ces voix, oui. Effectivement, ça résonne un peu dans le réseau souterrain. D'accord. Alors, est-ce que tu voudrais bien nous indiquer sur la map où est-ce qu'on se situe et d'où viennent les voix?
s'il te plaît. Alors, ça vient clairement de l'entrée. Et si je vous mets ici, est-ce que ça va donner quelque chose? Admettons. Alors, vous êtes. C'est pas forcément cet ordre-là, mais vous êtes là, donc vous êtes proche de la sortie. Ah oui, et l'entrée, c'est là où c'est sur la gauche de l'écran. Oui. Ok. D'accord, okay, j'avais mal compris aussi. Moi, je me poste en embuscade tout de suite sur le, dans le, après le petit coin en bas à gauche, là. Enfin, juste en dessous du token de Modouane. Je suis immédiatement Tamazir. Je fais la même chose. Dès que je le vois faire, je me mets en embuscade aussi, pareil. Est-ce qu'il y a un moyen qu'il passe sans nous voir ou absolument impossible? Alors, vous êtes à peu près... vous portez plus attention. Pour vous, il y a plusieurs voies. On est loin d'être à deux ou trois personnes. Il y a sans doute beaucoup plus. Et pour toi, non, tu vois pas comment, à moins d'aller fouiller, trouver une sortie, que vous n'aviez pas vraiment trouvé une autre sortie au complexe. Mais si vous voulez sortir ou si eux se mettent à fouiller, vous allez forcément à un moment ou à un autre vous rencontrer, a priori. Dame Dad. Eh ben, j'ai pas d'idée. Je pense qu'on va devoir parlementer. Je me recule, je sors mon arbalète et je regarde où est Roado. pas de façon menaçante, c'est le contraire en fait, c'est pour lui montrer que je fais bien attention. Il est plus là, mais peu importe. Bah, il se décale un peu en te jetant un air un petit peu suspicieux. Un regard un peu suspicieux. Donc, que faites-vous? Vous êtes planqué. Pour l'instant, ça continue à discuter, à discutailler. Ils ont, pour toi qui comprends le mieux, hein, Modouane, ils sont, voilà, et tu sens qu'ils ont du mal à se motiver à descendre. Qu'est-ce qu'ils se disent, Modouane? Ils osent pas venir ici. Ils ont peur que ce soit maudit, que ça leur porte malheur. Mais pourquoi ils viendraient ici? Tu les connais? Parce que je pense qu'ils recherchent Finran. Elle a quand même échappé à leur surveillance, tué tous ses gardes, et ce sont des chasseurs avertis, mon peuple. Ils ont forcément suivi les traces jusqu'ici, j'aurais dû y penser. Bon, ça veut dire qu'ils seront contents de voir qu'on l'a capturée, si jamais on se retrouve nez à nez avec eux. Ils vont vouloir la récupérer, je pense. Après, si on doit attendre qu'ils partent, est-ce que ça vous dérange si je repars derrière? Parce qu'il y a plein de bas-reliefs que j'ai pas pu recopier. Non, tu restes ici. Moi aussi. Oh. Je vous préviens, je vais lancer un sondage pour vous, si vous pouvez éviter de regarder. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour les joueurs. J'aimerais tenter un truc, Sylvain. Les Varulven, si on se met à hurler, ça ressemble à un loup. On a un hurlement lupin. Oui, ça peut, oui. Okay. Assez facilement. Du coup, je me mets dans le petit renflement, j'allais dire le renflement brun, la petite cavité en face de moi pour avoir un genre d'écho de caisse de résonance, et je me mets à faire un. Le micro a coupé, mais j'ai compris. T'as fait quoi ? C'est dommage, j'ai fait mon meilleur hurlement de loup. Non, en vrai, il était pas tiré. Le micro est ingrat. Donc tu te mets à hurler à la lune, à la mort, et forcément il y a quelques échanges secs et sans doute un ordre bref, et les voix se taisent ou ça chuchote et vous n'entendez pas. Et maintenant c'est plus où ils sont. Et je me remets en position d'embuscade. C'est un peu long, non? On a quand même un ultimatum à respecter, on a un horaire quand même. Ouais, mais bon... Est-ce qu'ils seront contents de nous voir sortir? Est-ce qu'ils voudront bien nous écouter? Il y a une voix Ounak qui retentit et qui crie clairement vers l'excavation, vers vous, vers le souterrain. Qui est là-dedans? Sortez de là et... nous sommes nombreux.
une bonne idée. On peut essayer de leur faire peur. D'accord. Odwen, je te fais confiance. Moi, j'ai pas eu leur peur. Je vois que les gens du chat sont toujours pas de votre côté, en tout cas. Merci pour le vote. Un blaireau. Un blaireau, c'est ça. C'est l'inverse de la communauté de la bonne auberge, quoi. À chaque fois, moi, les votes sont trop gentils. Et alors, les aubergines dans le chat? Bah ouais. Bon, je sais plus ce que je voulais faire maintenant, c'est pas là. Si, une intimidation. D'accord. J'ai toujours pas de pouvoir d'intimidation, on est bien d'accord. Hein. J'ai regardé ma fiche. Ben non, ça n'a pas poussé entre-temps, non. Il est intraitable, ce Sylvain. Eh oui, perdu pour perdu, hein. De toute façon, ils nous ont repérés maintenant et on n'a pas trop le choix. Gardez Finrod planqué et je vais juste m'avancer par rapport où je suis. Est-ce que je peux s'en bousculer? Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Donc je vais avancer et je vais dire avec ma plus grande voix de Hunak, qui ose troubler le repos de la Titanide? Dès qu'on veut faire un truc impressionnant, ça coupe, en fait. Ouais. Dès qu'on élève la voix, ça... Ouais. Ah, pas. Vous avez pas entendu ma super tirade? Ah non, un petit peu, c'est du principe que c'était fort. Si, un peu. Un peu, un peu. On a senti. C'est tellement impressionnant que t'as fait peur à Discord. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais te faire faire comme test? Parce que, bon... Tu peux me faire un... Voilà, ça va juste être un test de communication. Hein. Donc, t'as un D6 et t'as un plafond 4. Y'a pas 4 je... dans tes caracs. Présence, ouais, si. C'est communication. Là, c'est vraiment un test de domaine, pas de compétence en particulier, puisque t'as pas une compétence en particulier. Et je te donne un petit avantage, vu le contexte et... j'allais dire superstition, mais c'est pas les superstitions vu les éléments mystiques auxquels ça fait référence, plus 2. Donc t'as un D6 et 6 de plafond en résumé. Un D6 et 6 de plafond en résumé. Ok. Donc si je lance un D6, c'est pas mal. T'as le droit de lancer 2D3 hein, aussi, si tu veux. Ah, c'est mieux. Ça dépend. J'ai entendu une petite voix qui fait « mieux ». Oui. Du coup, j'ai suivi les conseils de Lucien et c'était bien parce que j'ai fait 5 et 1. Allez, voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, 5 et 1 avec un D3, ça fait 3 et 1, donc ça fait 4. Ah, on est d'accord. Sur 6, c'est bien. Bah oui, non. Oui, mais elle a pas plus 2 au résultat de son jet, aussi. Non, un petit avantage, c'est... Grand avantage. C'était mon plafond. Non, le grand avantage, c'est que tu lances deux fois le dé, tu gardes le meilleur. Il n'y a jamais de plus. Qu'est-ce Notez que... Notez que j'ai respecté la tradition, il y a eu un 1 sur le dé, hein, quand même. Mmh. Ouais. Alors, moi, je vais faire quand même un test de mon côté. Ouais. Nous ne voulions pas troubler votre repos. Est-ce qu'une chamane a osé troubler votre repos? Nous voudrions la récupérer. Elle a tenté de corrompre l'esprit des anciens et pour cela elle sera châtiée. J'en fais mon affaire. Partez maintenant. Tu vois que ça part. Tu entends que ça part en conciliabule entre les Hunak. Ça a l'air de fonctionner, Modwen, t'es trop forte. Elle est balèze. Kalle, elle est donne-moi balèze. Une petite pierre de lumière, là. Je vais les jouer derrière moi pour faire un genre d'aura. Son et lumière. C'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Merci. Je sais pas si Kalle a entendu. J'entends pas trop quand Madouane parle. Comme d'habitude, elle me gronde, j'écoute pas trop. Je sais pas, j'ai les oreilles qui se ferment. Mais Le personnage chuchote et la joueuse dit plus fort. Kael prend les pierres de lumière et agite-les derrière moi pour faire une sorte d'aura, tu vois. D'accord. Mais sinon, t'as une grenade dans chaque poche. Des grenades de quoi, déjà? Alors, il y en a une qui fait un grand éclat, je crois. Je parle sous ta... Sous ta surveillance, Sylvain. Et donc un grand bruit sourd, etc.
et l'autre qui fait de la fumée. On pourrait faire des trucs trop bien. Je vais chercher les pierres. Non, on peut tout combiner, ça va être génial. Il les a pas sur lui, les pierres? Si, non, non. Je vais pas prendre les miennes. Elles sont juste là, elles sont à 2 mètres, c'est bon. Aïe, j'ai créé un monstre. Mais je suis d'accord, on fait les lumières derrière, je balance la grenade de fumée et normalement ça devrait suffire à les faire détaler. Surtout si en plus tu fais un trop fort grondement, Tamazir. On fait ça. D'accord. Donc tu attends que Kael revienne. Si j'ai bien compris, ton intention, Kael, c'est d'aller déloger certaines de ces pierres précieuses ou semi-précieuses ou fines. Moi j'insiste et bioluminescentes. J'avais pas compris qu'il fallait les décrocher. Je pensais qu'il y en avait qui étaient facilement accessibles. Effectivement, s'il faut les décrocher, taper et foutre un bordel pas possible, je vais plutôt utiliser les miennes. Mais je les jette pas. Hein. Quand tu dis les tiennes, tu penses à quoi précisément? Tu penses aux pierres précieuses que tu aurais éventuellement gardées de l'autre monde, ou tu fais référence aux bombes? Alors non, je pensais qu'on avait pris des pierres qui étaient sur les murs, en fait. Celles de l'autre monde, il me semblait qu'il n'y en avait plus, que c'était la Titanic qui avait tout. Mais j'ai peut-être mal compris. Parce que dans les murs, il n'y avait que des peintures. Et à un moment, Hild avait voulu décrocher des pierres dans... Mais c'était que des peintures, hein, c'était pas des vraies pierres encastrées. Sauf... Oui. Voilà. Et par ailleurs... toi, tu as pris conscience quand t'es revenu... t'as pris conscience et tu l'as rangé sans trop te poser plus de questions que ça, mais que t'avais une pierre précieuse rouge qui ressemblait beaucoup à ce que t'avais pris dans l'autre monde et un peu machinalement tu l'avais rangé sur toi. D'accord, si elle fait de la lumière, je la regarde et je vais m'en servir, sinon je vais aller très très vite vers le feu là. Et elle fait pas de lumière. D'accord, ben je vais prendre des tisons là sur le feu en essayant de pas trop me cramer. Et puis faire avec ça. Donc très bien, vous vous lancez dans un spectacle son et lumière. Et moi j'attends juste que ce soit prêt, enfin que tout soit prêt, et quand on me fait signe, je refais mon meilleur. Petite référence inside, ça va finir comme un spectacle de corps. Ah non, j'ai mon plus beau costume. Tu peux me faire un. Pardon, vas-y. Tu peux faire un test de. Intimider, Tamazir, t'as un D10 et ouais. tu peux utiliser puissant. Ça te fait 9 en plafond. Ah ouais, cool. Allez, 2D de 5. Et Kael, je sais pas qu'est-ce que je pourrais te faire comme test, mais. Un test de son et lumière. Alors, je sais pas, mais ça m'arrangerait que tu trouves parce que je pense que ça va être ma nouvelle profession. Capacité intermittente du spectacle. Ouais, bah c'est un rapport avec tout ce qui est communication, etc. Donc galvaniser, intimider, hein. Tu peux faire un D6, et là c'est plus truc d'un. Ouais, un D6 et 6, admettons. Est-ce que je peux. Moi j'ai fait 6. Me servir de mes connaissances en hypnose. Ouais, là, ça a pas côté un peu plus bordélique. En l'occurrence, là, ça non pas vraiment. D'accord, bah pas de problème. Bah, t'as un D6 et plafond 6, donc toi, Tamazir, t'as obtenu un 6, qui est pas mal du tout. Si vous voulez rajouter quelque chose, voilà, mais... Je fais 5. Si quelqu'un veut faire quelque chose de plus, mais... Modouane avait déjà fait un test. Hild, je sais pas si tu veux faire quelque chose après. Ah, je sais pas ce que je peux faire pour donner beaucoup plus de grandiose. Voilà. Je te demande au cas où. Dingue, mais... Au pire, je... Fais des claquettes. C'est ça. J'ai un torchon et j'essuie la transpiration sur le front de Modouane. c'est tout ce que je fais. Donc, au bout de quelques instants, il vous semble entendre un des bruits de quelques chuchotements entre les Unak et des bruits de pas qui s'éloignent, hein, tout simplement. Et ça reste calme pendant. Ça fait quelques minutes maintenant que c'est calme. Plus de bruit. Est-ce qu'on. Je peut me être... méfie. Oui, moi aussi je me méfie. C'était trop bien.
Je pense que je suis la plus discrète dans cet environnement. Bien sûr, si on était en ville, ce serait Hild, mais... Ah oui, je oui, crois non, qu'il là. Démontré que dans ces contextes-là, pas trop. Pas du tout. Oui, effectivement, t'es très discrète dans ce contexte. J'ai peut-être essayé de m'avancer en tapinois pour voir s'ils ont vraiment quitté les lieux ou s'ils ont fait semblant et qu'ils se sont eux aussi tapis contre les murs. T'as un D12 et 10 en plafond. Donc 2D6 si tu préfères, par exemple. Ou moins. Si non, j'ai fait 2. 8, c'est... Ben, 8, c'est chouette. Discrètement, tu vas donc approcher de la sortie, même grimper, et tu constates qu'il n'y a plus personne. Ok. Super. Donc vous êtes ressorti de cette nécropole et à vous de choisir si vous prenez la direction du convoi qui est toujours sous la menace des Ounak ou directement d'aller vers la mare aux fées puisqu'il a été convenu de leur rapporter Finrom vivante. Mais la mare aux fées, ça nous prendra une journée, c'est ça? C'est à peu près, oui, une journée à marche forcée. C'est sûr que si on rentre pas, le groupe et le frère de Kael, ils vont sacrifier les deux Ounak qui sont restés. Ouais. Donc il faut rentrer au convoi. Il faut rentrer au convoi, planquer Finrom et leur dire bah alors elle est où? Hein? Elle est pas venue? Elle a eu peur? Elle a fui? Ah ah! Et vous aussi. Je suis pas sûre que ça marche, mais. Et si on leur montre Finrom? Si on leur montre qu'on l'a eu? Je sais pas, je pense qu'on peut peut-être juste dire les esprits, à moi je peux dire les esprits et les anciens m'ont dit que votre chamane vous a trahi, qu'elle a trahi les esprits, qu'elle a tenté de faire des choses interdites, qu'elle a tué d'autres Ounak et avant qu'il y ait d'autres morts, votre chef et la chamane ayant pris de mauvaises décisions, vous devriez rebrousser chemin et retourner chez vous. Et donc du coup tu voudrais voir les Ounak? Pour ça. Bah, de toute façon, on va retourner au camp et on va forcément aller. Si on va pas à l'ultimatum, il va y avoir un combat, donc. Ils vont tous se retrouver. On trouvera également les Ounak dans une heure, en fait. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était qu'une partie du problème. Nous, oui, il y avait aussi Doering, mais ton frère voudra jamais l'honneur, machin, tout ça, patacouf. Est-ce que le la puissance de la réputation d'une titanide pourrait jouer aussi en notre faveur et peut-être qu'on pourrait reproduire, jouer sur l'intimidation qu'on vient d'opérer sur ce groupe de chasseurs. J'aime bien l'idée, mais comment faire? Je pense que c'est possible. Peut-être, est-ce qu'il serait plausible? Je ne suis pas versé dans ces sciences occultes, mais... Est-ce qu'il serait possible que quelqu'un comme toi, Modwen, qui connaît ces arcanes-là, ait pu avoir une vision, une communication de la titanide qui met en garde, qui demande à tous les intrus de chasse, de libérer les lieux? Je ne sais pas. Oh oui. Est-ce que ce serait crédible? En tout cas, ce qui serait très certainement cru, et c'est vrai, c'est de leur dire que Finrom a passé du côté interdit du culte, qu'elle a brisé le tabou qui consiste à ne pas tuer les Ounak de son clan, qu'elle a voulu réveiller des forces et corrompre la titanide pour avoir plus de pouvoir et que donc elle a été corrompue, qu'elle doit être punie et que ce sera le jugement des faits qui s'appliquera. Et... Vous êtes en train de marcher vers le convoi ou pas? Oui. Oui, mais alors. Et par ailleurs, je t'interromps, Modwen, pendant que tu dis ça. Est-ce que tu veux bien m'aider à contrôler qu'on n'est pas dans les traces d'une. Essayer de comprendre le nombre qu'ils étaient et de essayer d'éviter leurs traces pour ne pas avoir le même chemin. Oui, et juste avant, Ouradou, elle est toujours inconsciente. Oui, c'est bon, je vous écoutais parler, ce qui est sûr, c'est que d'une façon ou d'une autre, il va falloir négocier avec tous les Ounak qui entourent le convoi, vous n'allez pas berner
de plusieurs centaines de Ounak ou leur faire peur. Enfin, je suis pas Ounak, c'est vous qui savez mieux que moi. Mais... Non, mais j'avais surpris quand j'ai... Alors, tout en faisant très attention au chemin que j'essaie de faire les deux, hein, multitâche, comme toutes les femmes. J'essaie de faire attention au chemin que je prends. Oui, non, mais de toute façon, ils n'étaient pas déjà très... Enfin, il y en a une partie qui voulait rebrousser chemin et ne plus attaquer parce qu'ils s'étaient rendu compte que c'était pas des chevaliers, etc. Oui, 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 tout ça, ça fait partie des éléments de négociation en espérant qu'ils ne soient pas tous solidaires du fait de nous attaquer. Ça, je suis bien d'accord. Et puis, je pourrais toujours essayer de prendre possession de l'un d'eux, sinon. Tu sais faire ça ? Oui. Sur des êtres doués de conscience, pas que des animaux ? Ça coûte très très cher en pouvoir et je suis un peu à plat. Mais normalement, si les grands anciens m'aident et les esprits aussi, je suis capable. Parle un langage typique des chamans que je ne comprends pas. C'est ça. C'est pas facile. Disons que c'est comme, pour toi, ce serait comme décapiter un serpent géant d'un coup. C'est possible, mais c'est pas facile. Je connais rien aux chamaneries, mais je suis pas idiot non plus, hein, Madeleine. Pas obligé de me parler comme si j'étais un enfant. Difficulté. Oui, oui. Je vais faire un test. Je veux pas faire mon Kael, mais... quoi, Christian ? C'était un peu vexant. J'ai pas compris, t'as besoin que je t'explique un truc, c'est ça ? Non, regarde, une peinture rupestre sur un arbre, là. C'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux faire un test d'exploration, Tamazir, pour les traces. Oui, tout à fait. Alors, exploration, justement. Je regardais ça. Avec conscience. Plutôt quoi ? Ah, conscience, plutôt... D'accord, ok. J'allais essayer de... Mais Hilde, tu te rends compte, une titanite, quoi. Ouais. Mais je l'ai vue. Elle était magnifique dans mes songes. Est-ce que elle est toutes les religions que t'as, c'est quand même dommage d'avoir choisi la mauvaise, du coup. Je ne me connais pas si bien que ça, Kael. La faute à qui ? Mais voilà. Par contre, je suis étonnée, c'est... Comment ça se fait que tu aies pu la voir ? Elle est pourtant morte, disparue. Bah, plus maintenant, je l'ai sauvée. Parce que l'idée de Tamazir de peut-être jouer sur la peur pourrait peut-être se faire, mais... Ah bah Tamazir, il fait peur à n'importe qui, hein, y a pas de problème. Et puis si c'est son plan, enfin moi je lui fais confiance. Hein. J'ai peut-être pas tout entendu, mais je suis persuadé que... Enfin, c'est ce qu'il fait. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là ? Vous le voyez à moitié au ras du sol et en train de veiller à ce que vous partiez dans une bonne direction et que vous ne retrouviez pas nez à nez avec les Ouna qui étaient là il y a quelques instants, et tu te rends compte qu'ils étaient une trentaine et tu peux faire en sorte que vous ne les rencontriez pas tout de suite, effectivement. Pas de problème. Moi, je relais l'information du nombre. Et on a bien fait de leur faire peur. Et au fil de la progression, je dis non, plus sur la gauche. Et ce genre d'indication. Pour ceux qui nous suivent uniquement en audio, Tamazir, enfin Lucien fait 9, si j'ai bien suivi. 8, d'accord, c'est bon. Vous, après une heure de cheminement, vous me dites si vous voulez encore un peu discuter avant d'arriver, mais. Bon, si je comprends, il faut qu'on cache Kifinrod par contre. Ça va être facile. Je propose qu'Oradou s'assied dessus, comme ça on la verra pas. Surestimer la taille de mon cul, Madouane. Ouais, c'est pas un ballot de paille. Hein. On trouvera bien un moyen, puis ils auront autre chose à penser. Voilà, c'est un bon plan, ça. Vous arrivez en vue du... En vue des chariots,
Là, c'est clairement, ça devient beaucoup plus difficile pour éviter de vous faire repérer par les Unak qui entourent toute la zone du campement de fortune et des chariots. Est-ce que vous tentez néanmoins de rejoindre les chariots en évitant la surveillance des Unak? On n'a pas trop le choix de toute façon. Ouais, on va essayer. Ah, bah, vous pouvez vous annoncer et puis de toute façon, il y a une dernière rencontre qui est prévue, donc c'est pas comme s'ils allaient vous assassiner sur place, hein, a priori, mais peut-être qu'ils pourraient en profiter pour, je ne sais pas, effectivement. Voler notre loot, enfin, reprendre la... Reprendre la chamane, peut-être, je ne sais pas. Donc, vous apparemment, vous voulez être discret, tout le monde est d'accord. Dans ce cas-là, ça va être test de discrétion. En tout cas. Test de discrétion pour tout le monde, ça va être... par exemple, pour Tamazir, c'est camouflage. Filouterie pour moi, non ? Ou peut-être pas. Ah ben pour toi, Hilde, hop, je reviens sur... tu peux, toi, t'as un camouflage aussi, hein, en monde sauvage. Ah, oui, ok. J'avais pas vu, en effet. T'as camouflage, Kael... Oui, bah, allez-y discrètement, moi, je vais discuter avec eux. Hein. Tu peux utiliser... Ouais. Tu peux utiliser juste le domaine, un monde sauvage, parce que t'as pas une discrétion spécifique. Ouais. Okay. Par contre, je comprends pas. J'ai droit à D4, mais j'ai... Non. J'ai fait 5 de mon côté. Moi, j'ai fait 2. Donc, c'est bon. Donc, c'est de la merde. En discrétion sauvage, encore une fois, je sais pas si t'as la fiche à jour. T'as un D12 et t'as 10 mode one en plafond. Oui, c'est ça. Mais il y avait juste un 4 à côté, mais je pense que c'est une notion que je maîtrise. Mais 4, c'est le rang de compétence, ouais. Qui explique pourquoi tu peux monter jusqu'à un D12. D'accord. Moi, tu m'as bien dit un D6, on est d'accord? Ouais. D'accord. Bah, je fais double 1. Hein. Moi aussi. Double 5. Pardon, je fais 2 du coup. Ouais. Copain. Bah, en plus, j'ai failli dire que j'allais imiter la façon dont tu te déplaçais pour être sûr d'être discret, tu vois. Bah voilà. J'ai dû un peu trop le faire. Est-ce que ma discrétion les enrobe pas de discrétion un petit peu, genre ça rattrape? Oui. Alors, Ouradou, est, malgré sa jambe, quand même assez discret. Il est génial, cet Ouradou, je l'adore. Ah, il m'énerve, cet Ouradou. Les deux réactions différentes. Mon pote. Vu le test que j'ai fait pour les sentinelles Unak, vous vous faites repérer. Damned. Bon. À un moment, il y a une petite... C'est pas catastrophique, mais il y a un peu de bruit, de petites collisions involontaires entre Tamazir et Kael. Alors ils n'ont pas vu que l'un ou l'autre s'était arrêté, ils se rendent dedans, ça fait ounch. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es trop près. Toi-même. Et vous faites rapidement entouré par beaucoup, quelques dizaines de Unak qui. Et il était. De toute façon, il te repère directement à Modouane. Vous aviez réussi à échapper à notre vigilance, mais vous revenez au moins. L'honneur vous a amené à revenir pour répondre à nos demandes. C'est exactement ça. Nous revenions au camp pour pouvoir nous présenter à l'ultimatum que vous aviez posé. Bien, cela va se dérouler dans quelques instants. Je vous laisse. Rejoindre vos amis au radia. Ils crachent par terre. C'est un signe d'honneur, hein, c'est ça? Non, là, quand il parlait de radia, pas spécialement. Ah oui. C'est dans Dune, ça. Instinctivement. Hop. Parce que eux, de l'eau, ils en ont à profusion, là, donc... Mais on va retourner au camp, alors on se revoit donc à l'heure, hein, tout à l'heure, pour l'ultimatum. Vous êtes accueillis, évidemment, entre autres, principalement par Malaric, même s'il n'est pas seul. Ah! Eh bien, vous avez fait des miracles. Il observe avec des yeux un peu ronds le corps de Finrom. Alors, tu crois pas si bien dire. Je remets un petit coup sur la tête juste pour être sûr qu'elle soit bien consciente. Eh oui, nous, au moins, on fait et on agit. Oui, enfin, ouais. Nous ne pouvions pas tous partir nous promener pour... même quelle que soit l'importance de la mission, il fallait que quelques personnes restent ici, fausse épouse. C'est son nouveau surnom. Oui, donc, nous avons
pu capturer la chamane ennemie et nous avons, Kael a mis fin à ses agissements. Son courage est porté à son crédit. Hein. Sans lui, on aurait eu affaire à des... Alors, évidemment, vous n'y croyez pas, mais elle faisait de la magie plus ou moins noire qui aurait certainement porté préjudice à tout le monde. Mais genre noir foncé, tu vois. Vraiment. Et ça... Mais pour aller droit au but, est-ce que cela pourrait nous être utile pour, dans la négociation le porte-parole va arriver et nous... Il va falloir trancher. Ils ont perdu leur porte-parole, ils n'ont plus leur chef, leur chamane a été pervertie, elle va devoir être châtiée. Je pense qu'il est possible d'effectivement de parvenir à un accord qui soit un statut, enfin qu'un accord qui dise qu'on arrête le combat et chacun rentre chez soi. Espérons. Est-ce que nous pourrions, à un moment, il allait commencer à peut-être deviser davantage une stratégie à ce sujet. Il y a un corps unak qui retentit, et, un mouvement très perceptible et voulu comme tel par ceux qui vous encerclent, qui amène à penser sans l'ombre d'un doute que le moment de parlementer, le moment ultime de cet ultimatum, si j'ose dire, est arrivé, que vous allez vous retrouver face à votre destin, celui de la centaine de pèlerins et de la vingtaine, 25 chevaliers de Malaric. Je lis juste à Malaric quand on se met en position, que je suis peut-être un petit peu moins optimiste que mon épouse. Fausse épouse. Ah non, enfin... Non, il y a une vraie, mais... Excusez-moi. Moi, je m'y retrouve, ne vous inquiétez pas. Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait lieu d'être spécialement optimiste. D'après les estimations de mes hommes, ils sont entre 200 et 300 encore autour de nous. Très bien. Vous vous retrouvez donc face à plusieurs en fait porte-paroles. Il y a certainement une question d'enjeu de pouvoir après la disparition de Finrom, qui avait déjà pris la place de ce chef qui s'était fait tuer auparavant. Donc un équilibre un peu délicat à trouver, mais donc plusieurs représentants, mais le principal se présente sous le nom de Tabsar. Tabsar du clan du Héron Plongeur. Avec nous, on a les deux Unak qui sont venus, qui se sont échappés. Vous pouvez tout à fait les faire venir avec vous, oui. Et peut-être que je marche pas en avant parce que je reste un peu en arrière avec eux pour qu'ils me renseignent vite fait sur ils reconnaissent les gens et que je puisse connaître un peu s'ils les connaissent. Là, ça va être un peu... Oui, enfin, alors que vous approchez, ils reconnaissent justement cet homme qui prend la parole. Ils disent qu'il a une réputation de chasseur plus que de guerrier, qu'il est tenu en haute estime dans son clan, mais il n'est pas le chef de son clan, qui est un homme plus vieux. Et les autres, ils ne les connaissent pas forcément, ils ne les reconnaissent pas en tout cas. Et je repère pas d'autres chamans après Finrod, il n'y avait pas d'autres avec eux. A priori, il n'y a pas d'autres chamans présents. Okay. Là, je vais vous afficher un peu la situation. Alors, vous voudriez pas être exactement comme ça, mais en tout cas, on a l'idée. Et voilà, il y a effectivement les hommes, les chevaliers, la bonne partie qui sont restés à cheval de Malaric qui sont disposés autour du convoi. Tout ça est un peu plus grand, puis il y a quand même une centaine, et là je suis limité dans ce que je peux représenter, puisqu'il y a une centaine de pèlerins qui sont blottis à l'intérieur, répartis en groupes entre certains foyers de tourbes, qui échangent à voix basse dans la peur. On a quelques cris d'enfants, notamment ceux de Brick, hein, celui le plus jeune des enfants qui fait partie de ce convoi. Et vous êtes, on va dire, à peu près comme ça. Voilà. Le temps est venu. Nous voulons
Nous voulons savoir ce que vous avez décidé. Entre la vie et la mort, entre respecter l'honneur de la mémoire des atrocités qui ont été commises contre notre peuple, nous n'avons pas forcément envie de vous massacrer jusqu'au dernier, alors quelle est votre décision ? Il y a Deorling qui est à côté de Malaric et qui lui traduit aussi. J'entends la traduction ? Tu entends la traduction, oui. Pour l'instant, c'est assez... Pour l'instant, oui, ben, l'esprit est là. D'accord. Non, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait le... C'est sûr. Eh bien, nous avons... Malaric répond, dis-leur que nous avons décidé de... Que nous avons décidé de leur rendre leur... leurs deux congénères. Et il regarde les deux Unak avec qui tu t'es enfui à Modwen. On a décidé ça ? Ben nous non, mais oui. Oui, c'est ce qu'ils avaient décidé, oui. D'accord. Vous voyez que ça commence à... Il y a un conciliabule un peu entre les Unak. Je demande quand même en Unak au chef, mais qu'avez-vous l'intention de leur faire ? Il se retourne vers toi. Ce que nous voulons par-dessus tout, et nous pourrions accepter de nous en tenir là, c'est lui. Et il pointe le doigt vers Deorling, le second de Malaric. Lui est responsable de l'agonie du frère de notre chef. Et nous voulons qu'il paye. On va écouter la traduction une fois de plus. Hein. Oui. Vous voyez Deorling qui se passe nerveusement, la langue sur ses lèvres un peu desséchée. Il regarde Modwen dans les yeux, vous les uns après les autres. Malaric, moi alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'accuse de quelque chose et ils veulent que tu me livres. C'est leur seule demande ? Oui, c'est leur seule demande. Les serments de vassalité qui m'unissent à mon chevalier ne me permettent pas de répondre à cette requête. Qu'est-ce qui... Enfin, je demande vite fait à quel. Qu'est-ce qui peut faire tomber un serment de vassalité ? Je sais pas, un meurtre gratuit, ça marche ? Alors, je me retourne vers toi, Sylvain. Il faudrait que, d'une certaine façon, le comportement de Deorling ait porté atteinte à certaines valeurs que ton frère Malaric associe au comportement qu'on attend d'un chevalier. Tu montres indigne, quoi, hein, c'est ça ? Oui. Et donc, le meurtre du Wunak et peut-être le meurtre de la plus jeune fille, ça pourrait suffire ? Mais ça faudrait... Il va falloir argumenter très 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 vite, quand même. Hein. Ouais, je sais. Il a pas dit de quoi il l'accusait. Il a juste dit qu'il m'accuse de quelque chose. Et on lui en avait déjà parlé plusieurs fois à Malaric. Donc... Moi, je me tourne vers Malaric et... Enfin, je me tourne vers Deorling, avec un regard de côté adressé à Malaric, et je dis la possibilité de sauver l'existence de plus d'une centaine de pauvres innocents, de pèlerins, ainsi que d'une vingtaine de ses frères. Voilà une belle occasion pour un chevalier de montrer son honneur et sa gloire, n'est-ce pas ?
Vous voulez m'envoyer à une mort atroce et certaine alors que nous pourrions repousser ces sauvages ? Je ne veux rien du tout, j'implique simplement que... D'après ce que j'ai cru comprendre de votre noble code d'honneur, ce serait une conduite admirable. Il baisse un peu les yeux, Darling. Et en finissant ma phrase, je me tourne vraiment face à Malric, avec un sourcil un peu arqué, genre « Qu'est-ce que vous en dites, Seigneur ?» Et on va pas laisser les gens mourir aujourd'hui. On doit pouvoir leur expliquer. J'en pense que un sacrifice, c'est ce qu'on entend dans les histoires héroïques qui inspirent la chevalerie. Mais entre ça et demander à un homme de marcher à une mort sans doute lente et ignominieuse, je ne peux imposer cela. Ah non, bien sûr, monseigneur. J'impliquais juste. Enfin, j'imaginais simplement que, vu l'éducation des nobles chevaliers que vous êtes, ça me paraissait être une attitude qui allait de soi. Et peut-être, vous savez, comme dans certaines contrées, des guerres sont évitées, des batailles sont annulées, au prix d'un duel entre deux champions. Là, c'est le genre de circonstances dans lesquelles... Un chevalier peut rentrer dans l'histoire. J'entends bien Tamazir. Il regarde d'un air un peu gêné Darling. Qu'est-ce que tu voulais dire, Madouane ? Chevalier Malaric, voulez-vous que j'essaie de voir avec eux s'ils seraient d'accord pour un duel de justice ? Nous n'avons pas vraiment cette notion, mais il est possible que je puisse faire appel à leur honneur de guerrier à cet effet. On peut toujours leur poser la question, mais est-ce que quelqu'un parmi vous leur a déjà fait prévaloir qu'ils étaient menés par une sorcière là, et qui menait, d'après vous, ce que vous disiez, de la magie sombre, et que de ce fait, leur attaque contre nous était menée par de mauvaises intentions ? Là, ils ne demandent plus que réparation du meurtre du frère du chef. Ils ont abandonné toutes leurs autres prétentions. Il y a quand même nos deux guides. Enfin, tes deux guides. Oui, mais justement, ils ont dit qu'ils allaient abandonner ça et qu'ils me laisseraient moi, les deux guides, tout ce qu'ils veulent, c'est la réparation du meurtre avec justice en leur livrant des hors-lignes. Sinon, je peux aller leur parler et leur expliquer qu'il faut laisser tomber. Oui. Ah, peut-être. Mais il faudrait que tu sois en tête à tête avec le représentant des Hunak et que tu sois... Ah, je n'ai pas pensé à ça, c'est une très très bonne idée, Tamazir. Que tu sois peut-être un peu isolé. Alors, quelle est votre réponse ? Lance celui qui parle pour les Hunak. Si vous voulez vraiment qu'on en arrive à un bain de sang et que la vie d'un seul de vos hommes de fer est trop précieuse à vos yeux et que vous préférez que... Les Horad ont eux aussi un code d'honneur et ils ne peuvent livrer l'un des siens s'il n'a pas code été... D'honneur, les Horad, les... Un code et d'honneur, les... avec les massacres qu'ils commettent chez nous. Laisse-moi rire, Modwen, c'est ça ? Comment c'est peux-tu te tenir à leur côté avec tout ce qu'ils font subir à notre comment peuple ? Comment avez-vous pu vous laisser guider par ce chef qui a assassiné la mère, la chef de clan ? Sylvain, je peux... toute petite parenthèse, est-ce que tu m'autorises à faire un jet de deviner pour... Parce que là, il a essayé d'un peu poser les melons sur la table en disant on vous massacre. Est-ce qu'il avait l'air confiant ? Ou est-ce qu'il a l'air d'essayer de gonfler les muscles pour nous faire, pour nous presser ? Tu peux tenter. Ouais, cool, merci. Est-ce que quelqu'un se souvient du nom de la chef ? J'ai fait 6. Alors, t'as fait 6. Ouais. C'est ça, hein, deviner, c'était, c'est ça. C'était le bon. C'est exactement ça. Tu penses
que clairement, il a pas envie d'en venir à la confrontation violente, mais tu crois que justement le fait qu'il soit réticent et qu'il soit un peu nerveux semble impliquer que s'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils iront jusqu'au bout. D'accord. Il a pas vraiment, mais tu sais, enfin voilà. Après, de là, d'essayer de deviner s'il pense que s'il est convaincu qu'ils viendront à bout de vous ou pas, difficile à dire. Ok, merci. Du coup, je cherchais en fait dans ma mémoire le nom de la chef qui a été assassinée, l'ancienne. Oui. Alors, je l'ai plus en tête. Je peux la retrouver sans doute. Mais quoi qu'il en soit, enfin voilà. Disons, Donc, comment avez-vous pu vous laisser entraîner par un chef pareil qui a torturé une ancienne respectée qui avait la voix des anciens avec elle pour vous obliger à combattre un convoi de quoi ? Un convoi de pèlerins ? Comment vous avez pu marcher avec cette chamane corrompu qui a assassiné certains de vos Hunaks? Ne dites pas le contraire, j'ai parlé aux esprits, je le sais. Elle a brisé les tabous, elle a fait appel aux forces négatives. Elle est rejetée par les anciens, vous le savez, vous les avez entendus vous aussi. Toute cette expédition, tout est maudit. Tout est... C'était Fial Tobar, la famille Tobar. Voilà. Tu lances bien des accusations, mais que justement, qu'avez-vous fait de Finrom, notre chamane? Vous la gardez prisonnière, elle a commis des crimes contre nous, vous devriez nous la remettre. Elle sera jugée par les faits, ainsi que la Titanide l'a décidé. Tu vois qu'il est un peu étonné. Ces histoires de Titanide. Que savez-vous des cultes anciens? Moi, je sais, je suis chamane, vous ne l'êtes pas. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Vous savez juste que Finrom a commis tous les crimes et brisé tous les tabous. Et c'est vous et son chef, qui est un assassin, qui vous ont incité à cette manœuvre. Ce n'est pas ça la justice, vous le savez très bien. Je me mets à côté de mon épouse et je bombe le torse. Je voudrais être fière d'être Hunak et en ce moment, je ne peux pas être fière face à ce que vous faites. J'entends tes paroles et nous acceptons de laisser le destin de la traîtresse Finrom en tes mains de chaman, et tu as remarqué que nous ne demandons plus que tu nous sois livré. Et de même que Gebal et Deryl Tobar, nous ne demandons que l'homme de fer qui a fait souffrir bien des nôtres. Et voilà en quoi nous exprimons notre honneur et prenons conscience aussi que nous avons en partie été utilisé par Finrom, qui n'avait pas que de bons desseins à l'esprit. Est-ce que vous accepteriez un duel entre lui et l'un de vos champions? Un duel alors que nous sommes 300 et vous êtes quoi, 30 guerriers? Certes, mais le sang en Hunak a assez coulé, ne pensez-vous pas? Nous sommes si peu nombreux désormais. Je vais présenter la chose à mes compagnons, je ne décide pas seul. Je comprends. C'est tout à votre honneur. Est-ce qu'il est possible de rajouter un mot? Si tu dis ça à haute voix, bah il se retourne. Tu dis ça en Hunak, c'est ça? Oui, bien sûr. En Hunak un peu approximatif, encore une fois. Quoi, tu veux dire quelque chose? Oui, je veux vous expliquer pourquoi cette histoire de duel est importante. Vous dites que c'est lui qui a fait des actes horribles, mais ici les hommes de fer ne le savent pas en fait. Pour nous, les Oradir, on peut pas livrer un des nôtres sans être sûr qu'il soit coupable. Et la façon dont nos lois permettent de le juger, c'est par un duel. Enfin, on ne sait pas. Donc là, ça permet d'aller avec vos lois et ça permet d'aller avec les nôtres. Et s'il a fait ce que vous avez dit, bah j'espère bien que vous le tuerez. Je comprends ce que tu racontes, mais
Il n'est pas question ici de savoir s'il faut respecter la loi des Oradir. Il faut que vous preniez conscience que vous n'êtes pas vraiment dans les meilleures conditions pour négocier avec nous. En fait, je ne cherche pas à négocier, regardez-moi. J'ai une tête d'homme de fer. Je ne veux pas du tout négocier, je veux survivre à cette journée. Parce que je sais ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que si jamais vous acceptez pas ce duel, ceux qui sont là, tous, ils vont se battre. Oui, j'ai bien compris. Le sang va couler. Ils vont se battre. Et on va tous y passer. Nous et un paquet d'entre vous. Et moi, j'ai pas du tout envie de ça. Moi, j'ai envie de voir demain. Je vous dis pas ça parce que je suis courageux, je vous dis ça parce que je suis lâche. Laisse-moi parler avec mes compagnons. On t'entend pas, Lucien. Je m'approche de Kael et je lui glisse à l'oreille. C'était super. À part la dernière phrase sur la lâcheté, c'était super. Tu m'as dit qu'il fallait dire la vérité. Oui, mais il y a certaines vérités. Faut lire son interlocuteur aussi. Oui, vous dites un petit peu trop souvent la vérité, Monsieur Kael. Moi, je pense que ça l'a compris. Alors, commencez à Monsieur Kael. Oh là là, c'était Maître Kael. Bon, maintenant, il va falloir rassurer nos jambes pour qu'ils ne se barrent pas tous. Hein. Malaric te chope par le col, entre guillemets. Kael, il te ramène vers toi dans une embrassade, pas fraternelle, mais pour te... Il est pressé, il est tendu. Qu'est-ce que ça raconte? Tu penses que ça va... Ils vont parler de quoi, là? J'ai pas tout suivi. Derling m'a pas tout traduit. Je sais pas, mais t'es sûr à quel point... Je sais, mais Modouane va t'expliquer. Il faut que tu parles à Modouane, c'est elle qui sait comment ils réfléchissent. Quoi? Non, mais dis-moi ce qui se passe, là. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Donc, tu peux... Je leur ai dit qu'il fallait faire un duel parce que nos lois et leurs lois... je leur ai dit que si jamais il n'y a pas de duel, t'allais probablement décider que vous alliez combattre parce que ton honneur t'empêchait de lâcher ton vassal et que beaucoup d'entre eux allaient mourir, que nous on allait tous y passer, que beaucoup d'entre eux allaient mourir et que ce serait une catastrophe alors que ça pouvait être évité s'ils acceptaient le duel avec des Hurlings. Voilà, c'est à peu près tout. Je suis désolé et tu vois que je me protège un peu, même si lui il est venu de façon très amicale, j'ai pas trop l'habitude, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te frapper? Qu'est-ce que tu fais? Non, excuse-moi, j'ai une journée un peu compliquée. Mais, ils vont sûrement pas... Un duel de justice entre Derling et un 2, ce serait plutôt honorable, oui. Tu penses que Derling est coupable de ce qu'il raconte? Enfin, ceci dit, s'ils font référence, on pourrait imaginer que moi je sois autant coupable que lui. Mais toi, t'es coupable de rien. Mais je t'en prie, parle à Modouane, c'est elle qui sait comment il pense. Moi, j'en connais qu'une et comme t'as pu voir, elle est assez exceptionnelle. Ouais, si je te parle à toi, c'est parce que justement, t'es pas Ouna qui qu'on se connaît depuis un certain petit bout de temps. Bah oui, quand même. J'ai déjà mené plusieurs, un bon nombre, je ne saurais même pas les compter, de raids contre ces sauvages. Et j'ai beaucoup de sang à eux sur leurs mains. Ils auraient tout aussi bien pu me désigner moi que des Hurlings. Alors de ce que j'ai compris, c'était vraiment du sang que t'es pas nécessaire. Hein. Tu veux dire que c'est toi qui as tué leur chef? Ou le frère de leur chef, ou je sais plus... Il y a une sortie où je n'étais pas à la tête d'une partie de mes hommes, c'était Derling. C'était pas la première fois d'ailleurs, mais c'est possible qu'il ait poussé les choses un peu plus loin en mon absence. D'accord. Viens, on va discuter, l'air de rien, on va se rapprocher de Modouane, Tamazir et Hilda, si tu veux bien. Oui. Je suis. D'accord. Maintenant, il va falloir qu'on s'assure. Alors, je fais gaffe à qui il y a autour, hein, mais j'essaie de faire en sorte que les autres entendent et pas forcément les hommes de Malaric.
c'est possible que la personne qui fait ça, Dehorling ou quelqu'un d'autre, maintenant ait peur et s'en prenne à toi. À moi ? Oui, à toi. Si la personne ne se sent pas le duel, je sais pas. Enfin, ce qu'elle peut faire ou pas, je sais pas. J'arrive pas à réfléchir. Vous en pensez quoi, vous, Tamazir? Tu peux surveiller qu'on le tue pas, mon frère, s'il te plaît. Ce que Kael veut dire, c'est qu'il craint que Dehorling n'ait pas assez d'honneur et de courage pour honorer le duel et qu'il tente de s'enfuir ou de vous pousser au combat à sa place. D'autant qu'il parle la langue Unak. Peut-être qu'il pourrait envenimer les choses d'une seule phrase. Mais t'en fais je pas, pense Kael, pas que je, Unak le je me porte garant. Les provoquer. Merci. Est-ce que, juste comme ça, qu'est-ce que vous. Est-ce que Il, tu fais quelque chose de particulier pendant toutes ces discussions ou les autres? Pour le coup, non, à part attendre que la décision soit prise par rapport à ce duel, s'il se fait ou non. D'accord. Alors... T'as pas de super pouvoir pour subjuguer Dehorling et l'obliger à aller se livrer, non? Malheureusement, je crois pas, non. Mais tu peux l'hypnotiser, toi, Kael, tu peux l'obliger à se livrer. Mais, c'est vraiment lui, moi je voudrais juste que personne ne meure, en fait. Pas certain qu'il se prête au jeu du tête-à-tête avec Kael. Les Unak ont indiqué l'avoir reconnu. Quand t'as parlé d'hypnose, t'as fait en sorte de le dire tout bas à Kael, ou pas? Dans le creux de son oreille, comme une épouse peut faire à son époux. Non. D'accord, clairement je m'arrête, je bug un peu. Et je regarde vers Hilde, je souris et tu peux peut-être t'assurer qu'il s'échappe pas ou... Qui s'échappe pas Dehorling? De qui tu parles, pardon? Oui, Dehorling, tu vois que vraiment j'ai dit ça et j'ai l'air d'avoir même oublié de qui je parlais. Quand tu dis Dehorling, fais oui, lui. Bah écoutez, je regarde Iberlui et Kael. Bah écoutez, maître Kael, oui... Pas de soucis, je vais vers Dehorling et je regarde et je le pisse. Je discrètement reste vraiment pas loin de Dehorling et je regarde si jamais il fait un mouvement pour fuir. Il était visible ou pas? Parce que le but, c'était pas forcément de te faire partir, c'était de le surveiller, quoi. Il était un peu en retrait, parce que Malaric lui avait fait un geste pour... parler avec vous en petit comité. Tu peux faire un... J'hésite, hein, juste... Bon, c'est à peu près la même chose. Lance un... Hilde, un D10. Ouais, je vais te faire deviner quand même. Un D10, et t'as eu 8 en plafond. Ok. Ok. Alors, j'ai fait 3. Très bien. Rien de spécial. Rien de particulier. Le conciliabule entre les Unak prend fin de toute évidence. Et fais un test, Kael, tu fais un test de persuader par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Ton discours, si je me souviens bien, j'ai rien persuadé. Si je me souviens bien, tu as un D10 et tu peux l'utiliser 8. En plafond. Alors, je le vois pas, excuse-moi, c'est où du coup, persuadé? Bah, c'est dans communication. Ah oui, pardon, effectivement, je l'avais pas vu. Et bah, c'est une bonne nouvelle, donc je vais prendre 2d5. Je fais 7. C'est pas mal, ça. Ça qu'on veut! C'est mieux que... Ah, alors, ça dépend si c'est avec cœur ou présence, parce que cœur, j'ai 6 et présence, j'ai 8. Non, c'était avec présence. Ça tombe très très bien. Donc ils reviennent vers vous. C'était un cas de figure auquel ils n'avaient pas du tout pensé. Ils sont un peu troublés, mais donc ils reviennent vers vous. Donc ils vous font signe d'approcher. Malaric, tout le monde. Enfin, vous approchez tous, j'imagine. Et,
Nous avons décidé d'accepter votre proposition de duel de justice. Pour éviter que de nombreuses vies soient perdues aujourd'hui. Je fais une sorte de petit salut à la façon Unak. Avec une belle voix grave là d'un seul coup. Je pensais que ma famille ne voulait pas que j'apprenne le droit, soit disant que ça sert à rien, ben voilà. Vous voyez que... Est-ce qu'il y a de nombreuses pères dieux qui se tournent vers Derling? Oui. Vous le voyez qui plisse les yeux. Il transpirait de façon relativement notable, donc il s'essuie un peu le front de sa manche. Bon, tu as compris, je suppose, Malary, qu'ils veulent que je me batte à mort pour décider de mon sort. Non, de notre sort. À tous. Il tourne la tête vers vous et vous regarde avec un regard un peu très froid. Il relève pas, il répond pas. Eh bien, ta survie est entre ta... les doigts de ta main d'épée. Mon frère d'armes, j'espère que la Trinité sera avec toi. Deorling répond pas, comprend que Malaric ne va pas plus l'appuyer que ça et que il va être obligé de se battre. Karma is a bitch. Rhétorique is a bitch, hein, parce que c'est vraiment, on l'a fait piégé. Et ça va donc se diriger vers un affrontement, véritablement. Et il est décidé que l'affrontement se tiendra dans une zone qui était un peu aplatie par les piétinements dans les hautes herbes, un peu plus au nord de l'endroit où vous êtes tous retranchés. Et ça va être un gaillard très, très massif, portant une lourde masse à deux mains, Unak. Gebal et Deryl, les deux Unak, se regardent de conserve et te chuchotent, Modwen. Je pense qu'avec, si c'est bien celui que nous croyons, ça devrait plutôt mal se passer pour le chevalier. Attention, ce chevalier m'a l'air ressort. Et il se battra pas de façon honorable. Quoi qu'il en soit, vos vies semblent, pour le moment au moins, sauvées. Et si j'allais voir si Finrod est toujours inconsciente et lui remettre un taquet? Tu vas vérifier, tu vois que Uradu veille très, de façon très serrée sur le fait qu'elle soit bien... qu'elle soit bien attachée, etc. Tu vois que ses yeux étaient un peu en train de s'ouvrir et Uradu te regarde et tu te dis, on peut pas sans arrêt lui taper sur la tête pour lui faire perdre conscience, on va la tuer. Bah moi je vous dis que si on continue à la taper comme ça, elle va mourir. Vous n'y connaissez rien ou quoi? On peut pas tout le temps faire taper sur les gens pour qu'ils perdent conscience. Elle est vieille. C'est vrai. On peut peut-être juste lui boucher le nez pour qu'elle... suffoque un peu et qu'elle... Non mais ça c'est facile, je peux lui faire une clé au niveau de l'artère du cou, elle perdra conscience quelques instants, mais si je fais ça tout le temps c'est pareil, elle mourra. Eh ben, il faut qu'elle soit inconsciente au moins jusqu'à ce qu'on la livre, donc moi j'ai pas du tout envie qu'elle reprenne conscience et qu'elle essaye de vous posséder. Et si on lui met quelque chose dans la bouche et qu'on lui bande les yeux? Question rhétorique au créateur du monde. Ah, si on lui met un baillon dans la bouche et... Elle a déjà un baillon, mais un baillon encore plus corsé. Ben, c'est difficile à dire. C'est sûr que si elle peut absolument rien voir, ça pourrait pas mal limiter ses capacités, mais c'est délicat. De toute façon, je la surveille. On va faire ça, et puis moindre suspicion, peu importe. Hein. Attends, taquet sur la tête. Personnellement, normalement je traîne un petit peu autour de Deorling, et si le duel ne commence pas immédiatement, je m'approche vers lui
Et je me mets dans une position très, comme on l'attend d'une religieuse. Est-ce que vous voulez que je vous donne au dernier sacrement, monsieur Dierling, de la Trinité Iskorat ou de l'indivisible, tout dépend. Et si jamais ça peut être l'occasion de faire une petite confession avant peut-être le drame, la mort qui peut peut-être l'attendre. Tu peux faire un test de persuader. Okay. Un des 10, c'est 8. Moi j'ai visualisé quelqu'un qui enfonce son doigt dans l'épaule blessée de quelqu'un qui touille. Peut-être la mort qui vous attend. Ok, des 10. Okay. T'as le droit de faire 2d5, hein, comme d'hab. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hop. Une mort lente, douloureuse devant des gens par la main d'un sauvage qui nous méprise. J'ai fait 8, je ne sais pas mon palier. T'as fait un jet optimal, c'est 8. Parfait, ok, très bien. Oh, wow. Donc, c'est ce qui veut dire que tu récupères le rang de ta compétence, qui est un rang 3, parce qu'un rang 3, c'est donc un maximum des 10. Et donc, c'est comme si tu avais fait un 11, et donc tu obtiens une prouesse mineure. Tu vois une petite lueur, un peu pour la première fois, une lueur d'une certaine forme d'humanité que tu captes chez cet homme. Je veux bien vous parler un peu, vous êtes une sœur, c'est ça ? Absolument, j'ai longtemps travaillé dans différents corps religieux et je connais les textes sacrés et je suis notamment souvent envahie par des songes qui peuvent peut-être vous aider justement à faire paix avec votre esprit et votre corps. Eh bien, je suis à... Je n'ai rien à me reprocher si ce n'est d'avoir tué ce que je devais tuer dans les missions qui m'étaient confiées, dans les chasses menées contre ces sauvages qui menacent notre culture et notre civilisation. Oui, vous êtes bien entendu dans cette idée que votre devoir était bon, car c'est ainsi qu'on vous a toujours demandé d'agir. Mais est-ce que vous pensez vraiment que cet honneur, d'une certaine manière, a toujours été bon ? Le fait de tuer ces gens, valait-il vraiment la chandelle ? Est-ce que vous n'avez jamais eu quelconque regret d'avoir tué certaines, peut-être personnes, au cours de vos missions ? Tu vois un peu un doute, une ombre qui passe sur son visage, comme vague culpabilité. C'est vrai que j'ai pratiqué la torture sur plusieurs de ces gens. Ouais. De ces gens, c'est-à-dire ? C'est le moment pour vous peut-être de vous libérer du poids qui pèse sur votre corps. Je le vois dans vos yeux. Sur mon corps. Non, mais comme je vous l'ai dit, ma sœur, j'ai torturé certains de ces gens et je suis sans doute celui qu'ils recherchent, un de leurs chefs ou chez Fayon, que sais-je. Je l'avais laissé mourir comme un porc, il a crié longtemps. Et voilà. Oui. La torture n'est pourtant pas forcément une pratique très bien vue. De notre corps religieux, mais le fait que vous en ayez conscience est déjà un grand pas vers votre résolution et pour que votre âme puisse peut-être se repentir avant, bien entendu, un drame qui peut vous mener certainement vers l'au-delà. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être autre chose que vous avez envie peut-être de vous livrer, notamment des événements récents qui
pourrait peut-être justement se lier à cette idée de torture. Peut-être que c'est une pratique que vous faites régulièrement, que vous n'arrivez pas à... Où est-ce que vous voulez en venir ? Eh bien, tout ce que je voulais, tout ce que je veux vous faire dire, c'est que c'est le moment pour vous de livrer peut-être tous les actes qui ignobles que vous avez peut-être fait ou qui peut être considéré comme ignoble par exemple les gens de ce convoi. M'est arrivé de violer. Très bien. Eh bien, là, à ce moment-là, je fais un signe Iskorat, en tout cas, je dis peut-être des propos... des sacrements, oui. Voilà, des sacrements, je récite par cœur quelques textes. Écoutez, j'espère que Iskorat vous entendra. Ce n'est pas moi qui ai tué la jeune femme du convoi, si c'est là où vous vouliez en venir. Ah. Et est-ce que vous savez, la dissimulation d'informations est également très mal vue par Iskorat même, donc est-ce que par la Trinité, est-ce que vous aviez été témoin? Non, 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 mais j'avais l'impression que c'est là où vous vouliez me mener, c'est tout. Notamment, c'est... oui. C'est... Oui. Enfin. Bon, eh bien, je suppose que j'irai directement dans un monde meilleur grâce à tout ça. Je sais pas si j'ai bien fait d'accepter. Il se détourne. Je m'éloigne. Et je me rapproche, bien entendu, de tout le monde, de Tamazir, Kael et Modouen. Bon, aux dernières nouvelles, je viens d'avoir une confession avec notre condamné. Eh bien, il a bien des raisons à ce que ça soit lui qui meurt. C'est bien lui. Hein, il a. Alors, bien entendu, mes devoirs normalement voudraient que je me taise à jamais. Mais comme forcément, mes devoirs sont beaucoup remis en doute ces derniers temps par tout ce qu'on est en train de vivre, je me permets quand même de vous donner ces informations. C'est bien lui qui a torturé, du coup, toutes les personnes, notamment le chef Ounak, pardon. Et quant à la jeune fille, ce n'est pas lui, il semblerait. Même en vue de ce qu'il avait l'air de dire, j'en suis même presque sûre que ce n'est pas lui. Je pense que c'est un de ces hommes. Probablement celui qui était venu à sa défense la nuit dernière. Mm. Celui qui est un peu plus jeune et fougueux. Ouais. Peut-être que ce n'est pas de sa propre main qu'elle est morte, mais d'un de ses subalternes. Certainement. Est-ce qu'on fait annuler le combat alors s'il est innocent ? Non, mais il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent. Ouais. Il mérite ce combat. Enfin, il mérite. Moi, je veux pas envoyer un innocent là-bas. Diverses formes de torture, mais on va quand même respecter l'honneur de Malaric et lui laisser une chance. J'espère qu'il va mourir dans d'atroces souffrances. Tac. Quelqu'un que tu n'avais pas remarqué, vous étiez un peu trop concentré sur votre discussion, qui s'approche de toi. C'est pas qu'il se dandine d'un pied sur l'autre, c'est qu'il a l'air vraiment en plein conflit intérieur. C'est un des chevaliers, le chevalier blond, un certain Thorfinn, qui approche de toi, Hild. Sachant que là, il y a des Orlings en train de s'approcher de l'endroit du duel. Il y a des.
des cris, des percussions en rythme sur les boucliers, sur les armes, sur tout ce qui peut résonner de la part des Unak, et ça monte en puissance. Et... Et ça fait monter la pression sur tout le monde dans le camp. Ah, j'aime. Ok. Et donc Thorfinn s'approche de toi, Hild. Je peux rapidement vous dire un mot. Vous avez obtenu la confession de Deorling, c'est ça? Là, je... Est-ce que il a entendu ce que j'ai dit ou pas? Par tout ce que j'ai dit à Modouen Tamazia. Tu penses pas, non. Sinon, vous seriez rendu compte s'il avait été suffisamment prêt, mais il était vraiment pas loin. Mais... T'es pas sûr, okay. Mais tu penses pas. Ok, donc tout de suite, je reprends mon rôle de sœur. Et vraiment, je... oui, en effet, j'ai eu sa confession, mais comme vous vous doutez, ces confessions sont de l'ordre du secret. Il a confessé des actes qui ne concernaient pas les Unak. Eh bien, vous savez, je ne peux malheureusement pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas, il s'est livré entièrement. Si cela peut-être vous guider dans vos interrogations. Mais il n'a pas parlé d'une jeune femme. Eh bien, écoutez, je vois que vous-même, vous avez l'air d'avoir le cœur lourd. Est-ce que vous voulez qu'on s'isole pour que nous puissions discuter ensemble? Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Est-ce qu'il a parlé d'une femme qu'il a violée? Vous savez, c'est de l'ordre du secret. Sans rien, je ne peux pas vraiment... Vous comprenez Il n'y a aucune raison à ce que je vous dise quoi que ce soit. Là, maintenant, tout de suite. Après, tout dépend. Comment ça, tout dépend? Eh bien... Comment ça, tout dépend, ma sœur Ma sœur, c'est justement... Pourquoi voulez-vous avoir cette information? Parce que je... Si je me suis engagé dans la troupe de Malaric, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire, pourquoi vous vous êtes engagé? Je cherche celui qui a violé ma sœur. Je comprends. Je soupçonne cet homme depuis plusieurs prodiges. Plusieurs prodiges? C'est-à-dire que depuis combien de temps vous... Enfin... Je n'ai plus le temps. Là, les cris sont arrivés un peu à leur paroxysme. Et le combat s'engage entre le Unak et Deorling. Et tu vois qu'il contient une rage bouillonnante, très froide, Thorfinn. Tu vois sa main qui se tend sur la garde de son épée. Il marmonne « J'aurais dû me le faire avant ». Je mets immédiatement ma main sur l'épaule de Thorfinn. Écoutez, mon cher, je sens que vous êtes extrêmement empli de colère et votre colère est juste. Il secoue son épaule et il s'éloigne. Il s'éloigne. Va bien. Bon, eh bien, il semblerait que nous en ayons un qui risque de peut-être perturber le duel. Qui est-ce qui veut faire léger pour Deorling? Personne? Qui est-ce qui veut faire léger pour le Unak? Pour le Unak, c'est Modwen. Enfin, c'est Petulia. Et pour Deorling, c'est Jérôme. Ah non, il est capable d'avoir des bons jets, là. Ah, ça serait injuste. Je pense que c'est le destin n'est pas si neutre que l'on veut bien le croire. Alors, vous voulez faire comment? Vous voulez vraiment faire comme ça? Ou qui est-ce qui veut faire les tests pour qui? Je peux pas tout faire tout seul. Ça semble logique, comme dit Lucien, que je fasse du Unak.
Ouais. D'accord. Ouais, mais après, lequel a vraiment la poisse à porter sur des hurlings? On prend pas très, très légèrement. Est-ce que t'as pas de D14, toi? Après, ceci dit, il aura pas un... Si tu la joues comme d'habitude, tu prendras pas le D14, c'est pas grave. Comment ça, si je la joue comme d'habitude, tu veux dire petit bras? En prenant pas le risque de dépasser ton plafond. Tu as, avec le Hunak, t'as un des 14 et 11 de plafond. Je suis beaucoup plus téméraire quand c'est pas ma vie. Je vais faire des jets de mon côté aussi. Un premier jet. On va jouer ça en 3 jets gagnants. Vas-y, et joue-le Jérôme, comme ça on a les stats des hurlings. Ah, Jérôme, tu veux jouer des hurlings? C'est totalement méta, mais bon. Alors, sincèrement, ça m'est égal, il n'y a aucun problème, je fais comme vous voulez. Juste, comme il va sans doute se passer des choses pendant le combat, ceux qui ne jouent pas, soyez aux aguets, quoi. Ah oui, non mais vu ce que Hild a dit, moi je me place assez stratégiquement pour empêcher le cas échéant Thorfinn d'intervenir. Je veux pas que ça capote, quoi, à cause de ça. Avant le combat, j'aurais aimé voir si je pouvais pas droguer la fin run. Ah mais c'est trop tard, c'est fini. Zut. Bon ben si c'est trop tard pour elle, nous au moins, tu vois. Oui. Pendant le combat, tu peux te détourner du combat et aller tenter de faire quelque chose, mais il faudrait vérifier ce qui te reste comme herbe pour faire ça. Donc tu peux... Écoute, t'as un des 12 et 10 de plafond pour des hurlings. Un des 12 et 10 de plafond, et ben... Tu peux lancer les D1 seulement, s'il te plaît? Donc allez-y. J'ai fait double 5. Et moi j'ai un D14, c'est ça? Donc, un 10 pour... Ouais. Toi t'as un D14 et un plafond de... J'ai dit 11, donc tu peux lancer 2D6, un D12 ou un D14 si t'as l'application qui permet de lancer n'importe quoi, si tu veux. Ouais, mais l'application ne permet pas de lancer 2D7. Ah si, tu peux, ça se configure. Ouais, mais je me souviens plus laquelle c'est, j'en ai fait. Ouais. Alors, vas-y, sinon je le fais pour toi. Non, j'ai fait 11. T'as fait 11? Oui. Allez, j'ai optimal. Mais vraiment. Je peux te le montrer si tu veux. Hein. Mais je te crois. Coup, on a deux jeux optimaux l'un face à l'autre. Ah oui, c'est vrai, toi t'as fait 10, c'était pile ton optimal aussi. Ah, vache. Bah oui, mais 11 ça reste supérieur, donc voilà. Donc ça va. C'est le bras armé de la justice, ok? Ouais, je sais pas, ça ressemble à un combat Dragon Ball jusqu'à présent. Ouais, ils vont tout vite pris retour, quoi. Sa puissance est au-dessus de 9000! Effectivement, dans un énorme moulinet de sa masse à deux mains, Le Hunak va venir à demi fracasser le bouclier de Deorling qui avait pourtant tenté de se fendre pour transpercer le Hunak, profiter de son armure nettement inférieure à la sienne. Mais ça s'est joué à très peu de choses et le choc envoie un peu vaciller le chevalier aguerri dans les hautes herbes. Il n'est pas encore vaincu et on va faire un deuxième. Je vous laisse faire un deuxième test. C'est moins bien. 5 et 3. Donc on a un 8 pour le champion Hunak. Arrête ! Incroyable. Et un 5 et 3. Donc c'est une... Ils font jeu égal sur la suite des affrontements. Okay. On a le marteau, la masse avec cette tête de pierre du Hunak qui vient malgré tout être bloqué par le demi-bouclier qui lui reste et la garde assez haute de Deorling avec son épée au clair, bien sûr. Il va compenser ce qui lui manque un peu en puissance, Deorling, par rapport à cette montagne humaine, avec peut-être un meilleur jeu de jambes, une grande expérience aussi. Et allez-y, continuez. Et le fait de savoir que la justice est avec moi. Aussi. 5 et 5.
tiens. Ah, ben là, par contre, tu m'exploses. Moi, j'ai fait 5, mais au total, quoi. 3 et 2. Voilà. Très bien. Alors, un coup supplémentaire qui va passer la résistance de Derling. Son bras n'est pas suffisamment fort pour maintenir son bouclier, qui va définitivement être fracassé. Le bras semble un peu céder aussi et venir ballant le long de son corps. Il lui reste. Tu me pètes pas deux bras de perso, ok? Si, si, vas-y. Il lui reste son bras droit. Il lui reste son bras droit, son bras d'épée. Et il grimace, il jure. Mais il reste concentré pour ce qui sera peut-être le dernier assaut. T'as un petit désavantage, Kael. C'est moins 2, c'est ça? C'est moins 2 au plafond, ouais. Donc t'as 8 au plafond. Je vais faire avec 2d4 alors. Oh, il l'a joué réglo. Ouais. Si c'est 2, 8. C'est bien ça. Alors, sur les deux suite 4. Je fais 4, mais au total 3 et 1. Voilà! Oh, sorti! J'utilise toute McDonald's, toute McDonald's. Le mec qui oublie, tu sais. D'un dernier coup, le Una qui vient déjouer l'épée de Derling, la balancer sur le côté, et remonte d'un deuxième coup qui vient enfoncer la mâchoire du chevalier Horad dans son crâne et signer un arrêt de mort pas immédiat, puisqu'on va l'entendre gargouiller et gigoter sur le sol pendant quelques instants avant que la mort ne le délivre. D'accord. Si en gargouillant, il peut maudire Malaric, les PJ, tout ça. Il se... tu penses, ouais, il y a des choses comme ça, mais il est plus capable de parler, donc mais l'intention n'a pas l'air très terrible de son côté. Je jure que c'était pas moi. 22h, 22h du décès. Effectivement. C'est beau, ça. Au moins, justice a été rendue, vient dire le représentant des Unak. Sachez que d'autres convois comme le vôtre seraient extrêmement malvenus en ces marécages, et que le fait que nous allons nous retirer maintenant ne signifie pas que le droit de passage sera ouvert au suivant. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de suivant. Je transmettrai les recommandations. Oui. Je vais faire tout mon possible aussi pour les convaincre de rester en leur terre et de ne plus s'aventurer sur les nôtres. Moi, j'ai un regard pour lui et je lui fais un signe de tête je dis l'honneur de ton peuple est appréciable et ta parole sera appliquée. Merci. Que les esprits et ceux des anciens vous protègent et vous accompagnent. Vous aussi. Il se détourne, il fait des grands gestes. Tout le monde n'est pas... Il y a différentes réactions, mais dans l'ensemble, voilà, ça obéit, ça grommelle, ça discute entre les Unak, mais il se retire... doucement mais sûrement du champ de bataille. Certains vont féliciter le champion. Et en voyant ça, vous remarquez aussi que Thorfinn est allé poser un genou à terre à côté du corps de Deorling, mais il n'a pas trop l'air d'être en signe de recueillement. Il secoue un peu la dépouille de Deorling et dit quelques mots inintelligibles et se détourne. J'ai des doutes. Je ne connais pas tellement les rites, ni de l'indivisible d'ailleurs, ni de la Trinité, mais est-ce que vous pensez que sa dépouille mérite d'être honorée? En vue de tout ce qu'il a fait, je serais d'avis de laisser sa dépouille pourrir au soleil et se faire manger par sa chair, par les corbeaux qui passeront par là. Mais en effet, Modouen, il y a bien quelques rites qui seraient quand même importants à faire.
je peux peut-être essayer d'en discuter avec le frère de Maître Kael. J'imagine qu'il voudra quand même voir un Malaric, ouais, Malaric bien, s'approche, oui. S'approche aussi de la dépouille de son second. Il reste le regard vers le sol sur lui sans s'agenouiller. Mais... Je vais m'approcher de lui et lui mettre la main sur l'épaule en tenant un peu derrière lui. En fait. Je m'approche derrière et je commence à réciter des phrases de sacrement religieux. Mmh. Ouais, il va falloir rapidement l'enterrer et que ce convoi reprenne sa route. On ne peut pas l'emmener avec nous, son corps serait dans un état horrible une fois arrivé de l'autre côté. De toute façon, je suppose qu'il aurait voulu être enterré au Grand-Duché et pas dans le royaume de Carmin, alors. Je suppose qu'il est mort comme il a vécu. Très bien. Chez moi, dans les espaces sauvages, on a plutôt tendance à brûler les corps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je ne suis pas contre. Je ne sais pas si dans la Trinity Scorate on brûle les corps, mais en tout cas. Ça dépend des pays, même de certaines coutumes plus locales. Donc tu sais qu'aussi bien enterrement que les bûchers peuvent être pratiqués par la Trinité Iscorate. Je vais prêcher contre ma paroisse, mais je doute qu'il aurait voulu être enterré en marécage Unak. Eh bien, pourquoi pas brûler son corps à l'inverse ? Ainsi, ses cendres pourront voyager au gré du vent. Je ne sais pas si vous souvenez que les feux de tourbe, c'est sans doute pas ce qu'il y a de plus pratique pour trouver du bois sec ici. Ça va nous prendre une éternité. Je parlais par esprit pratique de l'enterrer. Vous prenez une nécropole, pas loin. Une sorte d'ironie, alors, il va... Eh bien, enterrons-le dans la boue et dans la terre, comme il le mérite. Il va pas faire plus de remarques, Malaric, qui donnait des ordres pour que certains de ses hommes s'occupent de l'enterrement. Pendant ce temps-là, nous, Kael, Tamazir, on a une mission. Alors, juste un mot avant, Hild, quand tu dis comme il mérite, en fait, devant Malaric, tu vois, je te jette un regard, enfin, franchement noir, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas très malin. Ce qui est sans doute... je crois que ça m'est jamais arrivé même de te faire ça. Je baisse immédiatement les yeux. Mes propos ont dépassé ma pensée. Maître Kael. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, par contre, moi, je suis pas très bien non plus. Une petite balade dans les marais, ça va te distraire, Kael. Nous avons une mission à accomplir. Quelqu'un a livré aux fées. J'ai passé un marché. Oui, oui. Ne traînons pas. D'accord. Il faut quand même en avertir Malaric. Et Madouane, je recommande que tes deux compagnons Unak prennent la direction du convoi et les mènent par les chemins les plus sûrs possibles. À travers... Et on les rattrapera en chemin. Oui. C'est une excellente idée, je n'y aurais pas pensé. J'ai beaucoup de bonnes idées aujourd'hui. Je vois ça. C'est parce que j'ai bien dormi, tu vois, Kael. Il faut me laisser dormir. Je relève même pas, en fait. Et, par contre, je... on a un autre problème sur le convoi qu'il va falloir régler. Et je pense qu'il faut pas. Je pense que là, mon frère va avoir vraiment du mal à supporter ce qui s'est passé. Et qu'il faut pas lui expliquer en plus que l'agression n'était pas de la faute de Déorlé. Je pense qu'on va rien dire à Malaric et qu'on surveillera ensuite ce qui se passe dans le convoi. Mais à l'heure actuelle, j'insiste qu'elle, le plus important, c'est de livrer Finrod. Elle reste très dangereuse. Oui, on va s'occuper de ça. Y a pas de problème. Sachant que si le pacte échoue, le prix c'est ma vie. J'avais déjà dit oui. Ne traînons pas.
Alors, tu voulais éventuellement lui faire ingérer une sorte de poison? Non, un somnifère, un poison, tout de suite. Le sang doit rester c'est... pur. Ah bah, ça reste un poison. C'est vrai que t'as un poison qui peut induire une sorte de coma, et c'est sans doute ce que t'as de plus intelligent à faire, effectivement, pour la maintenir dans la conscience. Yep. Donc, oui, avec l'aide de d'Uradu, tu parviens à lui faire ingérer de force. Tant bien que mal, hein, c'est pas évident, mais t'avais une seule dose de poison de ce type, par contre. Voilà. La plus. Oh, c'est un bon usage. Voilà. Aventurière, et je vais l'utiliser dès maintenant. Après, tu sais que c'est possible d'y résister aussi, hein, ça dépend de la constitution de la personne. Elle a été possédée par une titanide, assommée, traînée, réassommée. Mmh. Pas forcément au milieu de sa forme, je vais t'appeler là-dessus. Donc vous prévenez Malaric, et elle vous souhaite bonne chance, il est un peu dubitatif, il essaie un peu de te dissuader d'aller partir... bagnauder dans les marécages alors que vous allez risquer de tomber sur je ne sais quelle créature, et plutôt de continuer le chemin avec vous plutôt que d'aller courir les fées, mais après il vous laisse partir. Ça marche. Courir les fées. Oh, est-ce que la Floranide va nous accompagner? Est-ce qu'elle a envie de rencontrer des faines? Donc tu vas voir Qualoun et tu lui demandes. À quel point vous croyez que c'est dangereux d'y aller? Plutôt très. Je crois que je vais rester ici alors. Ah, elle est bien. J'ai proposé, hein. Oui, c'est gentil à vous. Alors, j'étais persuadé que Tamazir l'aurait protégé en plus. Tamazir protège tout le monde, mais c'est pas une raison pour l'exposer à des dangers. Oui, le moins de gens j'ai à protéger, le mieux je le ferai. J'ai l'impression que tu protégeais spécialement les Sylvanides. Non. Uradu. Les Floranides. Ouais, les Floranides. Les Floranides, pardon. C'est pas grave. Ouais, Uradu vous dit, bah, comme je vous l'ai dit, ça fera beaucoup trop loin pour ma jambe, son état. On va le confier aux bons soins de la Floranide, du coup. Oui, voilà, très bien. Très bonne idée, très, 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 très bonne idée. Mm-hmm. Allez pas vous faire tuer sans moi. On fera attention aux flèches de Kael. J'allais vous dire la même chose. Et voilà, la vidéo de replay est terminée pour aujourd'hui. La suite, très certainement dimanche prochain, puisque comme vous le savez sans doute déjà, eh bien c'est chaque dimanche que ces vidéos de replay sont publiées sur la chaîne, généralement aux alentours de 17h. Sachant peut-être que vous l'ignoriez aussi, surtout si vous nous suivez uniquement en audio, mais que la date de chaque prochain live Twitch est indiqué sur un panneau visuel qui est pendant le générique de fin de chacun de ces replays. Donc vous savez où et quand nous retrouver. Merci pour tout votre soutien, toute votre passion, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait du bien au cœur et à la chaîne. À très vite.